C'est l'autre une qui me fait trop d'impression, c'est celle-là. Si à mesure que les plans regardent, c'est une espèce de d'intimité, comme tu disais. On peut dire que c'est un couple qui se regarde, qui danse ensemble, puis là, avec la tapisserie et les cœurs ici, ça a un effet de tendresse. Fait que c'est, puis les violons, ben, c'est associé au romantisme, tu vois. Fait que ça. Comme. Ouais, c'est ça, une espèce d'intimité qu'on peut retrouver là-dessus. Celle-là aussi, celle-là est un peu spéciale. Ça veut dire, on peut quasiment prendre des bougies, fait que tu as un effet un petit peu. Disons, Espagne, quelque chose dans le genre, ça aide avec sa boucle d'oreille. On peut penser que c'est une fleur avec un voile. Ici, un masque pour la comédie ou quelque chose du genre. C'est quand même intéressant de pouvoir construire des histoires avec ça. Mais les violons, par contre, je sais pas, j'ai de la misère à interpréter. Quoi qu'à la limite, on peut passer un temps. À cause de la dérogation. Oui, c'est vrai. Mais celle que j'aime bien, ben, tu m'avais parlé tantôt, c'était celle avec des partitions dans le fond. Je peux faire finir. Donne-nous. Oui, je comprends. Enfin, non. C'est quoi, avec les lignes qu'on voit, puis les mots qu'on peut lire d'une certaine façon, comme un peu comme tu avais fait pour le podcast. Je vais faire l'entendre un peu ici, puis aussi toute la sensualité que tu peux retrouver. Oui, c'est juste. Le choix des couleurs aussi avec l'espèce de bande, ça fait un petit peu aller doux justement. Parce que eux, ça met beaucoup avec des bandelettes ou des genres d'étoiles, des choses comme ça. Ouais. C'est à peu près ça. Les autres, c'est bien, mais les trois que j'ai parlé un petit peu, c'est pas mal celle que j'aime le plus. Il y a un collage que j'aime particulièrement d'Yves Robert. C'est celui-là. Je ne sais pas pourquoi, il m'interpelle. Et il y a des gens qui sont passés tout à l'heure dans la salle qui l'aimaient bien aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de monde aime bien ce collage-là? Il y a un mystère. Sûrement parce qu'il a un côté intemporel. Intemporel. Je ne sais pas, peut-être parce que aussi la musique brise les barrières. Je ne sais pas, on peut y voir plein de choses. Mais tu as vu l'eau de proche ou de loin, la perspective change. Comme là, tu as ici, tu as un effet de profondeur que tu vois un peu moins dans la. Ouais, c'est quand tu te rapproches. Il y a plein de choses qui se passent. Puis... Ouais. Je ne sais pas, le profil des violons, on croirait qu'il peut être découpé dans du vieux bois. Je ne sais pas. Il y a... Celui-là, il raconte une histoire. J'aime bien aussi celui-là, il est de saison. Ah, l'hiver, là, l'hiver, ouais. On voit bien l'hiver. Donc, il est bien de saison. Ouais. À mon goût, à moi. Bien sûr, ouais. Mais j'aime bien aussi celui-ci, ici. Celui-là? Ouais. Okay. Il raconte une histoire. Mm-hmm. J'aime bien quand ça raconte une histoire. Oui. Il y a eu un moment dans ma vie où j'aimais bien... par exemple, pour mes bateaux, il y a eu un moment... où j'aimais bien juste regarder une image, puis que le bateau soit apaisant. Ouais. Puis maintenant, j'ai de plus en plus, j'ai besoin qu'on puisse construire une histoire. Ah, que oui. Quelqu'un, quand il voit un de mes bateaux, il puisse en faire un film. Et pour ce collage-là, on dirait qu'on peut facilement faire un film. C'est vrai. Bon, c'est sur la carte postale, on a déjà le héros principal qui s'appellerait... André Guamard, par exemple. Oh. On voit l'époque où ça se passe, au début du siècle. Mm-hmm. Bon, ça se passe dans le domaine de la musique. Là, on a une idée du lieu. Ah, ben oui, une photo. Disons, ça raconte une histoire. Puis après, quand on continue, il y a beaucoup de gens qui aiment cette peinture-là aussi. Hein, par exemple. Ben oui. Qui donne un effet de profondeur et en même temps un effet de message.
Moi, ça me fait penser à un film que j'ai bien aimé, c'est L'homme qui voulait être roi. Ah, j'ai pas vu. Quelque chose ? Non, malheureusement, non, j'ai pas vu. Je sais pas pourquoi, ça me fait... Souvent, les toiles que je vois, ou ce que je vois dans la vie, ça me fait penser à des choses, par exemple. Ou inversement, un morceau de musique me fait remémorer un souvenir. Exact. Et, du coup... Il y a un lien aussi, hein, ouais, la musique, la mémoire, directement. Je vois toujours des liens entre... Ouais. Alors souvent, toutes les toiles d'ici me rappellent des choses plus ou moins... Ouais. En continuant, celle-là, plus géométrique, toutes celles qui sont plus géométriques. Ok. Celle-ci, puis celle-ci là-haut. Oh. Celle-ci aussi. Ouais. Quand on les a exposés, quand on les a mis il y a quelques jours, je les aimais bien. Ah. Mais aujourd'hui, à cette heure-ci, à ce moment-là, ouais, c'est d'autres que j'aime. C'est comme ça que ça va. Ah ben, c'est... Qu'est-ce qu'il faudrait dire ? Toi, celles qui te font penser à un couple là-haut, moi, elles me faisaient penser tout de suite à des chats. Ah, des chats. Je ne sais pas pourquoi, je voyais deux chats qui... En tout cas, celle-là, c'est vrai qu'elle raconte une histoire. Oui. Mais tu sais, je n'ai pas accroché là-dessus en premier. Hein. Ça a été celle-là qui est venue me chercher, à cause de la forme féminine, bien sûr. Mais celle-là, ça a été un petit peu plus tard qu'elle m'a accroché. Toc, 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 tu m'entends? Bravo, hein, Yves. Alors, il y a aussi une chose que je voudrais te dire. D'ailleurs, j'en profite d'être devant la caméra pour te le dire. Je parle à une caméra. C'est que le projet du livre, j'aimerais bien qu'on le refasse tous les deux. Là, tu vas me voir comme si je te parlais. Là, tout le monde me regarde dans la salle, j'ai l'air bête. Mais... Donc, j'aimerais bien qu'on fasse le sujet du livre, qu'on le reprenne tous les deux. C'est-à-dire, soit je le commence, soit tu le commences, puis tu m'envoies ce que tu as fait, je continue, une fois que j'ai fait, je te le renvoie, puis on va monter un espèce de livre à l'ancienne, un vieux grimoire plein de d'esquisses de nos vies. Donc si tu m'entends, dis-moi oui ou non, et puis je sais que tu vas me dire oui. Et si tu veux, je fais le premier dessin, je te l'envoie. La première expérience qu'on a eue, elle n'est pas arrivée au bout, mais là, je suis sûr qu'on va y arriver. Donc, je te propose qu'on reprenne, j'ai envie de ça. Voilà, j'ai envie qu'on fasse un bon vieux grimoire. Je le vois bien, je le sens bien. Voilà, Yves.